sommes heureux d'accueillir une fois de plus une opération de mille sourires sur la commune de Saint-Paul. Cette association en est à près de 11 000 jeunes Saint-Paulois qui ont découvert, qui sont partis en métropole, qui découvrent des grands champions. Et nous, la ville de Saint-Paul, on est heureux de voir tout le travail effectué. Et nous sommes très fiers d'accompagner cette grande manifestation pour tous les jeunes de Saint-Paul. C'était un moment de partage, hein, surtout de beaucoup de plaisir à transmettre un petit peu nos valeurs, notre passion. Des ateliers parfois techniques, parfois un peu de vitesse, un peu de jeu. Et puis on essaie de donner 2-3 petits conseils pour ensuite qu'ils aient quelques outils pour faire une carrière peut-être. Bah, ça a été une super journée, on a passé un très bon moment. Les enfants ont été motivés, ont été ravis, on a bien échangé, on s'est amusé, donc c'était génial. Ouais, c'est mon premier séjour à La Réunion, donc bah, je suis surprise. On m'a dit que c'était l'hiver, mais il y a un grand soleil. Franchement, les gens sont très accueillants, il fait bon vivre. Et j'ai découvert plusieurs sites comme le volcan hier, les cascades, la cuisine créole également, donc je suis super contente. Plaisir de faire ça avec des enfants qui aspirent à devenir comme nous et que nous, du coup, on leur donne la joie, la bonne humeur. Et quand je vois les enfants avec un grand sourire et qui crient, qui sont joyeux, ça me donne encore plus envie de continuer le football. Parce que ça, c'est la récompense du football, de voir les petits joyeux qui ont envie de faire comme nous. Et du coup, nous, on leur transmet notre passion et notre savoir-faire et un peu les connaissances. Et ils nous posent des questions, donc on répond, on essaie de donner des petits conseils, mais ça reste très sympa. Alors ma journée s'est super bien passée, on s'est super bien éclaté, mon équipe et moi. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir entraîné avec des professionnels, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Qu'est-ce que j'ai appris? Ils jouaient bien, ils avaient gardé la balle tout le temps, et aussi ils tombaient pas par terre. Ils passaient bien, ils encourageaient bien les copains. La journée s'est bien passée, avec les pros on a fait des passes à 10. Et moi, je me suis bien amusée parce que je trouve que c'était marrant. On m'a servi le sourire. Déjà, par rapport aux gamins, on a réalisé un rêve. Je jouais avec les joueurs pros. Déjà, j'explique à eux beaucoup à l'entraînement comment les joueurs pros jouaient. Là, je l'ai vu. Comme on a toujours dit, la porte n'est pas fermée pour jouer aux professionnels. Là, je l'ai vu vraiment que les professionnels sont là. Ils donnent à eux encore plus envie et me pense que les gamins à La Réunion, là, ils ont la vie vraiment que vous êtes pu aller plus haut grâce à mes sourires et surtout aux joueurs professionnels.
Alors Josy, c'est la 278e opération de l'association Mille Sourires. Et quelle opération, puisque aujourd'hui nous sommes le 22 juin et on est à la veille du 23 juin où nous célébrons cette année le 16e anniversaire de l'association. Et par un bel événement, puisque cette semaine nous avons eu le plaisir d'accueillir à l'île de la Réunion pour notre opération commencée en 2009, l'opération Foot en Vim, Foot Very Important Marmaille. Nous avons eu le bonheur d'accueillir notre parrain, notre fidèle parrain Fabrice Abriel, qui est à nos côtés depuis 2010. Et également, avec lui, il a ramené Amandine Henry, la milieu de l'Olympique Lyonnais, et également qui venait juste d'obtenir son titre de Ligue de champion de la Champions League, et également le titre de champion de France. Et a également un autre beau cadeau pour les enfants, avec la présence de Quentin Merlin, défenseur du FC Nantes, et qui lui aussi est arrivé avec une médaille au cou, avec la finale. Il a remporté la Coupe de France avec le FC Nantes au mois de mai dernier, et il est tout juste débarqué de l'équipe de France Espoir. Donc on pouvait pas rêver mieux pour fêter ce 16e anniversaire. Et je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés à bâtir ce beau projet de faire venir ces invités prestigieux pour cette semaine à l'île de la Réunion. Donc la compagnie Austral, le Luxe Saint-Gilles, CFAO et Élie Lagon, où ces entreprises nous ont aidés à faire que ces invités passent un beau séjour. Et également remercier la commune de Saint-Paul qui a accueilli sur ce stade de la Saline Néo aujourd'hui. C'est une première pour nous de monter dans les hauts. Nous avons invité près de 120 petits footballeurs saint-paulois venant de divers quartiers des clubs de Saint-Paul qui ont participé cet après-midi à un bel atelier, des ateliers avec les invités de prestige que nous avons eus.